Dessiner un portrait d'Amanda Lear, c'est déconstruire les personnages qu'elle a créés les uns après les autres pour observer la manière dont elle les a façonnés. Rajoutant là un détail, modifiant ici une date ou un lieu, embellissant les anecdotes selon les hommes et selon les époques. Sa force, c'est sa longévité. Depuis un demi-siècle, Amanda Lear n'a pas quitté la scène. Les changements de mode n'ont pas eu raison d'elle. Elle s'est constamment réinventée. Physiquement, une antilope, altière. La blonde somptueuse, mince, mince. Très svelte, évidemment, en même temps puissante. Athlétique, nerveuse, comme une panthère. D'une femme souvent très osseuse, très, très décharnée. Des bras, mais... Oh, des seins, enfin bref, une somptuosité. Avec des courbes hallucinantes. À l'époque, c'était la mode des seins nus. En plus, elle avait deux petits seins, mais un rêve. Je sais plus comment elle était habillée, mais d'une façon assez diva. Puis cette voix, elle avait une voix, mais extraordinaire. Elle avait un timbre assez particulier, à la fois chaud et étrange. Bon, ben, une voix masculine, quoi, une voix rauque. Je sais pas comment vous dire. J'ai jamais été fan de qui que ce soit. Mais elle, elle me fascinait. Et si la vie d'Amanda devait se raconter à l'envers? Revenir en arrière, comme on rembobine un film après l'avoir terminé, pour en comprendre enfin l'intrigue. Remonter le cours d'un destin comme on gratte délicatement le vernis d'un tableau. Lever les voiles, un à un, ceux qui dissimulent la vérité d'un cœur. S'appuyer sur des images et quelques témoignages pour brosser le portrait d'une artiste aux 100 visages. Déshabiller la femme sensuelle et sûre d'elle pour mettre à nu l'Amanda des débuts. Quand le début commence par la fin, car c'est toujours par la fin que les choses commencent. Le 29 septembre 2012, Amanda Lear, en guest star, clôture le défilé de son ami, le couturier Jean-Paul Gaultier. Quel âge a-t-elle? Tout juste 62 ans? Ou bien 73? De sa date de naissance, elle a donné tant et tant de versions. Amanda Lear ressemble parfois à un pâle souvenir de la diva qu'elle a été. Seul le rire n'a pas bougé. Elle vit aujourd'hui au son des cigales, retirée dans sa propriété provençale de Saint-Étienne-du-Grès. Là, en attendant de remonter sur scène, elle s'adonne à sa passion de jeunesse, la peinture. Amanda apparaît régulièrement dans les médias, toujours aussi blonde, toujours aussi fardée, exubérante et volubile, soucieuse de plaire malgré les traces du temps qu'elle tente d'effacer, les lèvres un peu trop pleines, les pommettes un peu trop hautes. Bonjour tout le monde. Ces dernières années, c'est au théâtre de boulevard qu'elle triomphe. Elle y joue, à guichet fermé, une Amanda Lear telle qu'en elle-même, déjantée et décomplexée. Ah, quelle merveille! Oh là là! Eh ben, ah, c'est génial, il y a la roue de la fortune en plus.
J'ai un masque sur scène, je fais rire les gens et quand ils rient, c'est formidable, c'est une satisfaction formidable. Et après, bon, on rentre chez soi toute seule, j'ai personne dans ma vie. Alors il y a ce côté clown, vous savez, qui enlève le masque, mais je pense que tous les comédiens ont ça, c'est une espèce de schizophrénie. Vous avez cette image publique, radieuse, contente, et vous avez la personne privée, qui est souvent d'ailleurs angoissée, introvertie. Pourtant, comme Marilyn Monroe, qui ne voulait plus faire sa Marilyn et rêvait d'incarner des personnages tragiques, Amanda n'a pas renoncé à jouer des rôles désespérés. En 2021, elle est Joan Crawford, icône fragile et névrosée. Comme vous êtes belle, Joan! Vous n'avez pas changé. Mon cœur m'a la chamane. Violemment. Je meurs. C'est à la radio et à la télévision qu'elle est devenue populaire au début des années 90, avec ses apparitions aux Grosses Têtes de Philippe Bouvard. Égérie d'un grand peintre et diva consacrée par un premier ministre italien, carnassière et ravissante, écartelée entre sa chèvre Luberon et son bouc international, Amanda Lear. Oh, c'est trop, merci. Figure emblématique de l'émission pendant 25 ans, avec ses décolletés vertigineux et son sens de la répartie, elle y acquiert sa notoriété. De la rosée, comment faire têter ce gros baigneur ? Elle est très cash, hein, je veux dire. Elle a des sorties extraordinaires, quoi, sur... Elle disait, à mon époque, nous, les mannequins, on sortait avec des rockstars. Aujourd'hui, les mannequins sortent avec les footballeurs. Il y a quand même une baisse de niveau. C'est pas très gentil pour les footballeurs, mais sur le moment, ça me fait beaucoup rire. Non, moi, j'étais très impressionnée. Dans les nombreuses émissions de divertissement auxquelles participe cette version caricaturée d'elle-même, comment reconnaître la véritable Amanda Lear ? Les années glissent sur toi. Elle est dans la séduction. Toute sa vie, elle a été dans la séduction. Encore aujourd'hui, elle est... comme on dit, bankable. Amanda Lear. Elle est un pilier des soirées de TF1, la première chaîne privatisée, où dans les années 90, elle tient la dragée haute à Jean-Pierre Foucault. Amanda Lear. Merci. Merci de m'en recevoir. Et la France des ménagères de plus de 50 ans l'adore. Elle a toujours un coup d'avance. Elle sait toujours avant. Elle est dans l'esprit du temps. Il y a plein de moments dans sa vie où elle aurait pu être totalement broyée par le show business, carbonisée. Mais bien qu'elle soit une fille assez sensible, ça reste une guerrière. Elle est comme le phénix. Elle renaît constamment de ses cendres. Et puis surtout, elle a une capacité d'adaptation. Et c'est ça. Et c'est l'intelligence. Elle s'est totalement construite, comme Marilyn Monroe, comme Mae West, pour devenir un idéal de femme superlative. Une sorte de femme sensationnelle, femme à sensation. Qui était Amanda Lear avant d'être une star consacrée par la télévision française ? De cette époque et d'interview en interview, elle s'est tant et tant racontée qu'on a presque oublié ses années italiennes. Les shows clinquants et tape à l'œil dont elle était la reine. C'est là, à Milan, qu'au début des années 80, elle débute sa carrière d'animatrice. Repérée par Silvio Berlusconi, il cavaliere. L'homme qui a toujours mélangé la politique et les affaires. Il lui confie la présentation de différentes émissions sur ses chaînes de télévision, qu'elle anime dans des tenues affriolantes. Plus ambiguë, plus allumeuse et plus provocante que jamais dans des numéros qu'elle exécute à merveille. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, allez, on sait que vous êtes Madame Berlusconi. Ouais. Enfin, vous n'y pensez pas. Ouais. Oui, allez, on sait. Et alors, cette chose est insultante parce que ça voudrait dire que je bosse parce que je couche avec lui. Oui, c'est lui. Pas très gentil, oui.
Et que si je ne couchais pas avec lui, je n'ai pas assez de talent pour animer une émission. Mmh. Bon, je sais que tout le monde dit qu'il faut coucher. Moi, je ne sais pas, personne ne me l'a jamais demandé. Bien, mais on ne me l'a pas demandé. Il y a des gens, il y a des personnes qui ont quelque chose... On ne sait pas ce que c'est. En plus, en moins, on ne sait pas ce que c'est. Et ce quelque chose en plus ou en moins fait que vous êtes différent des autres. Amanda a quelque chose de mystérieux en elle. Elle est à la fois forte et faible. Elle est, comment dirais-je, généreuse et égocentrique. Berlusconi va lui servir de marchepied vers la télévision française en la propulsant sur ses chaînes privées dès 1982. Amanda devient le visage du divertissement à l'italienne, de la variété au début de la télé-réalité. La vulgarité de Berlusconi ne l'a jamais arrêtée, pourvu qu'elle soit bien rétribuée. Tu sais qu'on en regarde de plus en plus ? J'ai appris ça. Ça va, Amanda ? Non. Se lancer à la recherche d'Amanda Lear, c'est aussi raconter toute la seconde moitié du XXe siècle, du mouvement hippie des années 60 aux paillettes scintillantes des années 80. Amanda a croisé des célébrités artistiques. Elle a fréquenté des sommités intellectuelles et des excentriques géniaux. Pendant près de 30 ans, elle a accompagné le prince de la peinture avant-gardiste, Salvador Dali. Aussi sage qu'il est exubérant, elle se glisse dans son sillage, groupie gracile que les Français découvrent au gré des éclats médiatiques du maître surréaliste. Cette alliance étrange deviendra l'un des éléments fondateurs de la légende. Galia Salimo est une amie depuis de longues années, un témoin passionné de la vie d'Amanda. Amanda Lear, je l'ai rencontrée il y a très longtemps, au siècle dernier. À l'époque, j'étais à l'Alcazar et on voit arriver dans le public Salvador Dali avec Gala, sa femme, et une créature de rêve, une espèce de somptuosité. Oh, une apparition. Oh, cette blonde somptueuse. Oh, ah, j'étais subjuguée. Paco Rabanne me présente en disant « C'est Amanda, elle est mannequin, très mince, regardez. » Et donc Dali me regarde et puis dit « Oh, vous savez, ma chère, vous avez la plus belle tête de mort que j'ai vue. » Et donc, moi, l'histoire de la tête de mort, ça m'a un peu givonné parce que j'ai dit quand même « J'ai passé 2 heures à me maquiller pour qu'on me traite de tête de mort. » Mais c'était pour lui un compliment. Il parlait de votre squelette, d'ailleurs. Voilà, le squelette. C'est ça qui l'intéressait. Amanda offre un nouveau souffle à Salvador Dali, la figure incontournable du monde artistique depuis les années 30, dont la bouffonnerie et les pitreries ont fini par lasser. Le commissaire de l'exposition Dali au Centre Pompidou en 2012, Jean-Michel Gours. À la fois, il est has-been. C'est quelqu'un qui est quand même, vu son âge et puis même vu son comportement, qui a quelque chose d'un peu grotesque et has-been. Et en même temps, ils le reconnaissent vraiment, ils sont tous assez admiratifs de ce que représente Dali. Dali, le catalan à l'habit de clown, apprend à Amanda à crétiniser les médias, comme il dit, à surprendre, à choquer aussi, et surtout, à ne jamais cesser de susciter l'envie. Et alors ça, c'est une idée force hein, chez Dali depuis très longtemps, depuis les années 30. Il ne va pas subir les médias, mais il va au contraire, c'est lui qui va les tordre. Curieusement, c'était le plus grand showman que j'ai rencontré. C'était un espèce d'Elvis Presley. Dès qu'il y avait une caméra, ça y est, il roulait des yeux, il avait sa canne. Il savait tout de suite comment attraper l'attention des médias, les manipuler, faire parler de lui. Donc tout ce que j'ai appris pour faire parler de moi, c'est Dali qui me l'a appris. Faire parler d'eux, entretenir le bruit de Londres à Paris. Amanda et Dali, l'ange et son démon, l'artiste et l'égérie, hantent avec éclat le monde de la nuit. Il me semble qu'il y a un élément extrêmement important chez Dali qui est la construction du personnage.
Il faut comprendre que, et ça il le comprend très tôt, dès les années 30, que non seulement il faut faire une œuvre, mais il faut se construire un personnage. Amanda Lear participe de la construction de son personnage qui arrive à un état d'épuisement par l'âge. Amanda Lear vient régénérer cette image de Dali, de l'individu. Et je pense qu'il s'en sert comme ça. Parce qu'elle est jeune, très belle, et d'une certaine manière, la présence même physique d'une femme très belle à ses côtés était une manière de défier finalement ce passage du temps et de rester, de continuer de donner de lui-même une image contemporaine, une certaine image de jeunesse. Mais dans cette course folle à la célébrité, qui suit qui ? Est-ce lui, Dali, que la fraîcheur troublante d'Amanda régénère ? Ou bien est-ce elle, que l'immense notoriété du vieux peintre fait soudain scintiller ? Amanda explique que, au début, elle le voit un petit peu comme quelqu'un d'un peu grotesque, avec beaucoup de choses qui étaient assez extravagantes, mais que petit à petit, elle tombe amoureuse de lui. Ben, c'était très difficile à cerner. Est-ce que c'était mon frère, mon fiancé, mon amant, mon gourou, mon prof de dessin, c'était un tout. Et c'est vrai qu'il a énormément compté dans ma vie. Sans sexe, puisque c'est de notoriété publique. Hein, était impuissant. Voilà, il ne souhaitait pas ça. Dali n'avait pas de relation sexuelle avec personne. C'est ça. Ni avec sa femme, ni avec moi, ni avec personne. Tout ça était sublimé dans sa tête. Elle correspond aussi à l'archétype féminin de Dalinien, c'est-à-dire d'une femme souvent très osseuse, très, très décharnée, avec des angles très vifs. D'une certaine manière, on a un peu la morphologie, l'anatomie d'Amanda Lear. Laissez dire que vous êtes un homme, lui dit Dali. Tout le monde va être doublement intrigué. Et l'on vous fera encore plus la cour. Dali a un rapport à la sexualité extrêmement complexe, qui s'intéresse beaucoup aux perversions sexuelles. C'est un grand masturbateur, Dali. C'est un voyeur, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de relation sexuelle avec une femme, et notamment avec Amanda Lear. Il était fasciné par les travestis, par exemple. Lui-même, d'ailleurs, a cherché à se travestir avec une perruque, avec cette ambiguïté sexuelle qu'il relie, bien sûr, à la psychanalyse et au texte de la psychanalyse sur justement tout ce qui est fantasme, complètement nourrit son œuvre. Et quand on a commencé à dire, oui, mais vous savez, que cette voix, est-ce que par hasard, ça ne serait pas un garçon, c'est jamais, vous savez, elle a la voix quand même très grave, c'était très troublant. Troubler pour séduire, séduire pour dissimuler, changer de jeu, changer de peau. Pour un soir ou pour une vie, être plus belle encore, plus femme, plus sexy. Amanda construit son personnage comme on enfile lentement son costume de scène, comme on efface l'ombre en s'enveloppant de lumière sous le feu des projecteurs. Mais qui est-elle vraiment, cette jeune fille aux yeux de biche ? Dont les jambes interminables affolent la gentry à Londres et à Paris. Where is that girl? No, sit in the front, please. No room. Elle prend la pose pour de la lingerie, exhibe son corps parfait dans des magazines glamour, assume l'ambiguïté d'un visage presque masculin. Plus elle se montre, plus Amanda se dissimule. Plus elle provoque, plus elle brouille les pistes. En quelques années, elle finit par incarner une certaine idée de la transgression. On démêle la pelote, on gratte le vernis, on lève un nouveau voile. Hello, comment est-ce que tu as, Ah, si, la luce est bianca, ma la bianca, bianca che farai stasera non è quella. Longtemps, Amanda Lear a rêvé d'être une rock star. Ah,
Amanda ne chante pas. Elle murmure « Suivez-moi. Suivez-moi. » souffle sa voix rauque et basse. Quand elle commence à chanter au milieu des années 70, la mode est au disco, dont le rythme binaire, rapide et régulier, invite à danser. Rapidement, elle s'impose. Le journaliste Éric Dahan, ancien du service culture de Libération, a toujours été fasciné par la personnalité d'Amanda Lear. Il est même devenu un de ses amis. La première fois que je la rencontre, c'est en 79 à Paris. Autour de 21h, elle surgit d'une voiture au bras d'Alain-Philippe Malagnac. Elle porte un body panthère, elle est moulée dans un body panthère avec un ceinturon, des bottes, un truc cintré comme ça en fourrure. Waouh, Amanda Lear quand même. Elle voit que je l'ai reconnue, que je suis un peu tétanisé, et elle me tend une photo d'elle dédicacée. Elle pose comme un husky dans les neiges. Elle est coiffée à la lionne, avec des cheveux comme ça, comme elle avait à l'époque à la lionne, une tête de tigresse qu'on appelle la Farrah Fawcett. Et moi, je me dis, c'est pas seulement une star ou une célébrité, c'est une créature, c'est un personnage. C'est vraiment en 79, à la sortie de l'album Sweet Revenge, que j'ai réalisé qui c'était quand je l'ai vu, comme ça, moulé de cuir, avec un fouet des dominatrices au milieu des lasers, en créant un peu l'ambiance du palace. La chanson Follow Me sur un beat eurodisco avec des synthétiseurs à la Giorgio Moroder évoquait le mythe de Faust. Un Faust qui, comme elle l'écrivait, vous donne des ailes et une nouvelle identité. Mais c'est elle-même qui incarnait Faust. Un Faust qui se proposait d'affranchir ses auditeurs de leurs tabous et de leurs névroses. C'était du disco, mais c'était aussi de la new wave, au sens où elle avait bien intégré les leçons de David Bowie. Le choix des mots, car c'est elle qui avait écrit le texte, et aussi ce phrasé très théâtral et ce ton assez hypnotique. « I'm getting out, I'm moving on, and from now on, address unknown, I should be difficult to find. » D'ailleurs, c'était troublant de se dire que la fille que j'avais vue à la fois dans Playboy, nue comme ça, solaire, était celle qui écrivait ces textes finalement assez intrigants, assez énigmatiques. C'est bien après que j'ai appris qu'elle avait vécu à Londres dès les années 60, qu'elle avait été la copine de Jimi Hendrix et de Brian Jones, et que j'ai fait le rapprochement avec la chanson « Miss Amanda Jones » des Rolling Stones, chanson au sujet d'une fille de la haute société qui passe son temps dans les discothèques, à moitié défoncée, qui n'est pas très sûre d'elle, qui un jour va se révéler, ce qui est assez prémonitoire de la part de Mick. La vague disco déferle sur le dance floor d'un nouveau lieu, le Palace. La discothèque parisienne rêve de concurrencer les clubs new-yorkais les plus déjantés. Les oiseaux de nuit du tout Paris y étanchent leur soif d'oubli sous les éclairs syncopés des stroboscopes. Alors, on est en 78, c'est la fièvre du samedi soir. Mmh. Bon, tout le monde entier découvre la musique disco et moi, le 24 septembre 78, j'inaugure le Palace à Paris, donc le temple du disco. Vous, le soir de l'inauguration? Non, Amanda, vous devez vous tromper, assure Guy Cuevas, le DJ mythique du Palace. Grace Jones a fait l'ouverture, à qui on a fait appel, à notre copine, qui était en train de devenir célèbre, Grace Jones, voilà. Grace Jones, sculpturale égérie underground de la culture gay, symbole de la démesure des soirées Palace. Au Palace, on rentrait que si on était en smoking ou super looké. C'était simplement ça pour rentrer. Il fallait avoir un beau sourire, accueillant comme ça, guicheur, et puis être looké. Les boueurs, les rois des Suèdes, à la trave l'autre avec des pinces à linge sous le téton. Voilà, Jack Lang qui danse en banjo.
C'est un mélange de tout le monde, les petits noirs des banlieues qui arrivent. Tout le monde s'est mélangé, l'époque voulait ça. Tout le monde couchait avec tout le monde prenait n'importe quoi, comme aux États-Unis. Hein. Cette époque du palace est associée à une totale insouciance. Et dans ce cadre, il y avait un peu Amanda aussi, parce qu'elle aussi, elle a une langue un peu de pied, elle a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, elle va même un petit peu au-delà de l'humour, parfois. Mais voilà, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, ce côté grande gueule, comme ça, moi j'aime bien ça. Amanda Lear a chanté au palace, mais c'était en septembre 1978. De sa voix rauque et timbrée, celle qu'on a surnommée Disco Queen a célébré elle aussi cette époque exubérante et insouciante. Je crois que, en fait, les idoles, ce que nous appelons aujourd'hui les idoles, remplacent ce qui autrefois étaient des idoles religieuses, cinématographiques ou même politiques. Je dois me comporter d'une certaine façon vis-à-vis de mes fans. Ils aiment, je crois, que je sois capricieuse. Ils aiment que je sois en retard. Ils aiment que je fasse des éclats. Ils aiment que je sois voyante. J'incarne pour eux leur fantasme, c'est-à-dire la femme dont on rêve. Celle qui est tellement ambiguë, justement, sexuellement, on ne sait pas ce que c'est, on voudrait la toucher, mais si je l'ai laissé la toucher, il serait justement très déçu. Il faut surtout se dire, je ne pourrais jamais la toucher. Et c'est pour ça que je me suis concentrée toutes ces dernières années à créer le personnage d'Amanda Lear et à me concentrer sur ce personnage, à vendre ce personnage, plutôt qu'à vendre mes chansons, mon produit. Ce qui est important, c'est que le public, en fait, achète la chanteuse plutôt que la chanson. Quand les journalistes de l'époque lui demandent d'où elle vient, elle esquive, elle charme, profite d'un silence pour se défiler dans une pirouette. Amanda aime à brouiller les pistes. Et lorsqu'elle veut nous perdre, elle nous égare entre États-Unis, France et Angleterre, où tout a débuté. Dans ce Londres de Carnaby Street et de King's Road, où la liberté sexuelle et les délires psychédéliques des substances illicites tiennent lieu d'art de vivre. Le rock'n'roll tourne en boucle sur les radios pirates. Les Beatles, les Who et les Rolling Stones donnent des concerts à Hyde Park. Leurs groupies sont si jolies. Elles séduisent aussi les nouveaux créateurs qui préfèrent habiller compagnes branchées des rockers plutôt que des mannequins trop guindés. Est-ce en 67, 68 ou 69 ? Parmi eux, David Hockney, Mick Jagger qu'elle rencontre par Anita Pallenberg, Keith Richards et un Brian Jones malheureux, vulnérable et drogué, dont Amanda devient la bonne fée dans une liaison fragile et sans avenir. Mais elle découvre surtout le Londres extrêmement multicolore, qu'on retrouve dans les dessins animés des Beatles, par exemple. C'est vraiment la couleur, hein. C'est l'arrivée de la couleur. C'est par les Anglais que c'est arrivé, les chemises à fleurs. Vraiment, elle a adoré, moi, ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle avait adoré le Londres de ces années-là. Bah, à l'époque, c'est vrai que j'ai croisé des hommes extraordinaires, pas tous mes amants d'ailleurs, mais c'était aussi tout ce mouvement de révolution que nous avons eu. Il y avait les Beatles, il y avait les Rolling Stones, il y avait Jimi Hendrix. Chez le couturier britannique en vogue, Ossie Clark, Amanda croise aussi John Lennon, George Harrison ou encore Brian Ferry. Le dandy sophistiqué de Roxy Music tombera fou amoureux en la regardant déambuler sur le podium. Et ils ont une grande aventure et puis une grande histoire. Là, elle est plutôt égérie rock. C'est assez étonnant, elle est égérie rock. Et elle est sur scène avec Roxy Music, le groupe de Brian Ferry. Il m'a demandé de poser pour une pochette de disque, comme ça que ça s'est passé. Il m'avait vu défiler à Londres et il avait besoin d'une fille pour sa nouvelle pochette de disque qui soit un petit peu dominatrix, maîtresse dominatrix, soit un peu sadomaso. La mise en scène d'une Amanda fantasmée, ultra-érotique, sauvage, indomptable.
qui fait entrer dans la légende cette pochette de l'album « For Your Pleasure », sorti en 1973. Et puis, au-dessus de Brian Ferry, il y avait quand même une star qui était plus importante mondialement, et c'était David Bowie. David Bowie l'a flashé sur la pochette, il a dit « Ah, il faut absolument que je rencontre cette fille ». Quand je l'ai rencontré la première fois, il était vraiment moche. Hein. Il était tout pâle, avec ses cheveux rouges, il n'avait pas de sourcils, mais il était absolument fascinant. Et donc, ça a été le début de quoi, justement ? D'une aventure qui a duré 2 ans à peu près. La seule chose qu'il avait oublié de me dire, c'est qu'il était marié. Mmh. Mais bon, mais ça, ils oublient souvent. Life is too short for questions. Well, what are you? I can see you're trying to invent something. Who are you? Il y avait un côté Pygmalion chez lui qui était assez sympathique. On s'est dit, on peut faire des trucs sensationnels avec toi, mais il faut s'y mettre. Bowie payait mes leçons de chant, et donc c'était grotesque d'ailleurs, parce qu'on me faisait, on m'entraînait à chanter pour placer ma voix, alors on me faisait faire des gammes, on faisait et en fait, quand je suis arrivé dans le studio le premier soir, on m'a dit, mais non, nous on veut ta voix très basse, comme ça, voilà, c'est ça qu'on veut. Vous savez, c'était quand même la première fois que je sortais avec un garçon qui se maquillait plus que moi. C'est nouveau, ça. Ça tachait l'oreiller. Vu comme je chante haut. Fin des années 60, Amanda hante les boîtes et les soirées privées, de Londres à New York, en passant par Paris avec ses copines. Marianne Faithfull et Anita Pallenberg, futures égéries du rock'n'roll. Elle aime la nuit, qui apaise les âmes et dissout les esprits. Elle aime la fête et la musique qui étourdit. Elle devient l'un des visages de cette génération en quête de sensations, qui veut inventer sa vie et pas simplement la regarder passer. Fabrice Guéniaud est alors un jeune journaliste qui se penche sur le destin des figures féminines marquantes des années 60. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Égérie 60s », dans laquelle une dizaine de femmes, dont je dirais 6, 7, 8 importantes, ont joué des rôles primordiaux, importants dans ce que j'appelle le milieu du rock. À savoir que je suis parti d'une interview d'Anita Pallenberg pour Marie-Claire, qui m'avait expliqué, bon, c'est super, vous m'interviewez, je suis très, très honoré, mais justement, on parle jamais de nous. J'ai dit, mais qui nous ? Ben, Marianne Faithfull, Nico, qui n'est plus là, qui était morte déjà, mais il y avait Tina Aumont, il y avait Zouzou, il y avait Amanda Lear. On ne nous rend jamais hommage, en fait, on parle que de nous, comme si on avait été des groupies, mais pas du tout. Nous, on a beaucoup construit les Stones et les gens comme ça. Je me suis dit, je vais faire un livre là-dessus, parce que c'est extraordinaire, toutes ces femmes. C'était des Amazones électriques, quoi. Elles étaient incroyables. Amanda dîne chez Maxim's, défile devant Richard Burton et Elizabeth Taylor. Sa nouvelle notoriété suscite la curiosité. Mille fois, les médias l'interrogent sur sa vie d'avant. Mille fois, elle biaise, bifurque, joue, esquive, élude, s'embrouille parfois. Jamais aucune date ne ponctue la biographie d'Amanda. Sur votre site internet, il y a une autobiographie officielle, lapidaire. Amanda Lear est née le 18 novembre 1950, écrivez-vous, au Vietnam, d'un père anglais qui servait dans la marine et d'une mère d'origine asiatique. Ses parents se sont séparés et la petite Amanda a vécu tantôt avec sa famille anglaise à Londres et tantôt avec sa maman en France. Jusque-là, tout est bon, ça vient de vous ? Jusque-là, ça va. Tu es né à Hong Kong. Oui. D'un père marin. Oui, britannique. Et d'une... Britannique. Oui. Et d'une mère divorcée. Oui. Mon père était dans la marine britannique et ma mère était d'origine orientale. Ils se sont séparés très tôt. J'avais une mère qui était d'origine slave, même mongole, d'où mes pommettes saillantes. Vous aviez des frères et sœurs ? Non. Vous savez, bon, je suis pas très famille, de toute façon, je suis pas très famille. Maintenant, j'ai plus de parents, j'ai plus personne. Fini.
Fini. Ça veut dire, par exemple, à l'enterrement de votre mère, vous n'y étiez pas? Non. Non? Non. J'étais à Londres. Les journalistes feuillettent avec circonspection un livre d'images trop sage. Sans cesse, ils reviennent sur certaines pages. Il y a un moment dans votre adolescence où vous avez dit « je vais construire un mandalire ». C'est bien ça, quand même. Non, j'ai pas voulu la construire, mais disons que j'ai pris conscience que je voulais faire quelque chose, que non, je voulais devenir quelqu'un. Quand vous dites « je ne savais pas ce que je voulais être », la seule chose dont j'étais certaine, c'est que j'aurais un destin exceptionnel, que je ne serais pas comme ma mère qui avait tout raté dans sa vie. Exactement. De toute façon, je savais que j'aurais un destin exceptionnel, mais j'aurais pu être une grande criminelle, ou j'aurais pu être, je sais pas, une grande avocate, ou pilote, n'importe quoi. Mais je savais que de toute façon, j'aurais un destin bien. Toute sa carrière, Amanda Lear n'a cessé de s'exposer. Mais s'est-elle vraiment confiée? Ça va? À qui dit-elle la vérité? Le premier reportage dans lequel elle apparaît date de janvier 1966. Il a été filmé dans le studio du photographe Jean-François Boré. Claude Boré, son épouse, redécouvre le film. Deuxième clap. La première fois, c'est par agence. Quand il avait besoin d'un mannequin, il téléphonait à une ou deux ou trois agences. Et on appelait ça, c'est une journée de casting. Les gens du quartier adoraient les journées de casting, hein, parce qu'il fallait voir le défilé. Il arrivait 20 filles comme ça à la suite, et parfois plus. Qui peut croire qu'elle n'a pas encore 16 ans, cette beauté? Comment concilier cette image de janvier 1966 avec la légende officielle qui veut qu'Amanda Lear soit née en 1950? Amanda est arrivée la belle-fille sur laquelle on se retourne, quoi. Au naturel, superbe, déjà. Elle avait beaucoup de personnalité, une forte personnalité, mais pas casse-pied du tout. Enfin, vraiment, une femme... Enfin, on est devenus amies, parce qu'elle était... Elle se racontait, elle n'était pas secrète. Elle est discrète, mais pas secrète. Amanda, elle, donc, elle est venue pour la lingerie. Elle était spectaculaire, hein, tout à fait magnifique. Alors, la campagne Mitoufle, les premiers collants qui ont existé s'appelaient Mitoufle. Et des collants, parce que ça n'existait pas, on était toujours au jartel. Hein. C'est devenu le nom commun au lieu d'être la marque. Alors, les gens rentraient dans des boutiques, ils disaient « je voudrais des Mitoufles ». Elle est pieds nus, hein, il me semble. Il n'y a pas de chaussures. Oui, voilà, c'est ça. C'est, tout était là, tout se voyait à ça. C'est qu'elle avait des collants. On n'avait jamais vu des pieds avec des chaussettes et pas de jartel en haut. Je pense qu'elle avait une perruque parce qu'elle était très blonde, hein. Les cheveux longs et blonds, et je pense que là, oui, oui. Oui, elle était quand même très masculine. Très, très belle, mais très masculine. Elle s'en cachait pas. Elle s'en cachait pas du tout. Mais... Oui, oui, là-dessus, ça me frappe en les voyant en tirage comme ça, à quel point elle est... Elle est dans la beauté très construite, quoi. Pas du tout la beauté fragile, hein. Ses amours, ses amis, son identité sexuelle font l'objet de toutes les rumeurs. D'où vient-elle? Qui est-elle? Je ne suis pas certain d'avoir su à l'époque vraiment qui était Amanda Lear et qui avait un trouble, un mystère, une légende, un secret autour de ses origines, d'une part, hein, sur sa date de naissance, donc, mais aussi sur son lieu de naissance, hein, parce que parfois c'est Saïgon, parfois c'est Hong Kong. Et puis les origines, le père, par moment, est un officier de marine britannique. Ensuite, c'est un Français aussi, un militaire français. La mère serait d'origine vietnamienne, ou pourquoi pas mongole, russe. Amanda a quelque chose de mystérieux en elle. Ça se ressent, ça ne peut pas s'expliquer. Je pense que c'est d'abord dans sa voix, cette espèce d'envoûtement qu'elle crée. Ça, elle me fait penser à Circé, à Méduse, à ces créatures un peu de l'au-delà.
Franchement, j'avais du mal à comprendre que les gens n'arrêtent pas de dire qu'elle avait une voix grave. Elle n'avait pas une voix plus grave que celle de Marlène Dietrich ou Greta Garbo. Après, bon, peut-être que si elle avait surjoué la féminité en prenant une petite voix aiguë comme ça, ça aurait été vraiment sans intérêt. Il vous aide beaucoup, très souvent. Vous savez, des photographes qui sont... Cette voix rauque, puissante, ce timbre si particulier, cette diction traînante et sophistiquée sont au cœur du mystère originel d'Amanda Lear. Si vous vous concentrez dessus, vous comprenez ? Il dit, tu dois regarder l'objectif bien en face, mais tu ne dois pas voir l'objectif. On a fait une grande soirée, on était très nombreux. Enfin, moi, j'étais avec ma fille qui avait donc 6 ans, qui regarde Amanda très, très impressionnée. Et on bavarde un moment et avec Amanda. Et puis, je vais à la cuisine et ma petite fille vient vers moi et me dit, maman, pour être beau, il faut avoir un défaut. Ben oui, elle a... elle a une voix d'homme, mais là, elle a un défaut. Mais le défaut qui la rend belle. Mais elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi et je n'avais pas à lui dire, parce qu'elle ne m'a pas dit est-ce que c'est un homme. Moi, vous savez qui je suis. Il n'y a aucun souci pour moi, en tout cas. Moi, j'ai toujours été transsexuel. J'ai travaillé au Carousel, à la Gaza. Mais pour moi, c'était... Il n'y avait aucun doute, c'était une femme, quoi. La question de ses origines se répète en boucle. A-t-elle été cette adolescente complexée, élève de l'école française de Londres, qu'elle évoque dans ses souvenirs, mais dont elle n'a jamais montré aucune photo ? Qu'a-t-elle à voir avec cette jeune femme aux yeux noirs, photographiée par Herbert Tobias en 1959 ? S'est égarée parmi les travestis d'un spectacle interlope et qui lui ressemble comme une sœur. Amanda Lear est née femme et mourra femme, pas tout de suite j'espère. Et bien que j'ai joué beaucoup sur l'équivoque, sur l'ambiguïté, c'est vrai, mea culpa. L'on a déjà entendu toutes ces rumeurs qui courent autour de vous. Alors la question que je vous pose est de savoir si je dois vous appeler monsieur ou madame. Et il faut m'appeler mademoiselle parce que je ne suis pas mariée. Mais évidemment, ça serait beaucoup plus original si on pouvait m'appeler monsieur. Mais je trouve qu'Amanda Lear, ça fait... On a l'impression que c'était inventé par Dali parce que ça fait Amanda Lear. Ça fait Amanda Lear. Ça fait vraiment construction de nom pas possible, quoi. Les années 70, c'est le retour du cabaret. C'est le glam rock de David Bowie, c'est le film Cabaret avec Liza Minnelli. Y a une volonté comme ça de sortir du mouvement hippie et d'incarner à nouveau des personnages. La vie est un théâtre, la vie est une comédie, la vie est une scène. Mais je pense que, particulièrement, elle n'avait pas d'autre alternative que de devenir une créature de lumière. Dites que vous êtes un homme, avait conseillé Dali. Amanda Lear s'est brûlée à sa propre histoire. Dans les médias, on ne la ménage pas. Et est-ce que tu as souffert de cette rumeur qui a couru sur ton compte disant que tu étais un transsexuel ? Rassure-moi, c'est pas vrai. Rassure-moi, c'est pas vrai. Il y a 20 ans qu'on s'obstine à vouloir prouver que quelque part, je ne sais pas, peut-être dans une autre vie, vous étiez un homme. Vous étiez un homme. Pourquoi vous avez joué avec l'ambiguïté sexuelle, Amanda ? Tout le monde raconte des gens qui vous ont connu quand vous appeliez Alain, etc. Blablabla. C'est pas vrai. Mais plein, je vous promets. Robert. Je vous promets, mais des gens très documentés. Les bio, je sais pas où ils ont été les chercher. Mais dans un livre, carrément, il y a des gens qui racontaient des trucs. Bah, de cette période où vous appeliez Becky d'Oslo à New York. Absolument. Et bon, on les laisse faire. En 1969, Le Parisien Libéré révèle qu'une jeune mannequin française a été arrêtée pour avoir fourni de la drogue aux Rolling Stones. Elle s'appelle Amanda Lear, plus connue, écrit Le Quotidien, sous le nom de Becky d'Oslo. Vous attaquez pas ça ? Je n'ai jamais attaqué, même pas un magazine à scandale, un Voici, un scandale. Jamais. En même temps, vous avez dit que vous vous êtes fait opérer deux fois, une à Londres, l'autre à Marrakech. Je suis pour la liberté totale de presse et d'expression, et c'est très bien comme ça. Image à peine vue, sitôt disparue. Amanda n'a rien figé de son passé. Elle a mélangé les pays et les années, elle les a multipliés, puis elle a changé d'avis. Elle a effacé les traces.
elle a brouillé les pistes qui auraient pu conduire à elle. Peggy Doslo. Ben oui, 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 Peggy Doslo, c'était... J'en ai entendu parler, soyons francs. J'en ai entendu parler par rapport à Amanda. Mais excusez-moi, j'ai vu des photos de Peggy Doslo et ça n'a rien à voir, l'une est brune, l'autre est bon. On dirait qu'il y a des teintures. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas la même. Enfin, moi, j'y crois pas. Mais bon, c'est encore une légende. Mais bien sûr, j'ai entendu les rumeurs, bien sûr. Mais excusez-moi, si elle, elle est ce qu'on dit, alors, excusez-moi, mais chapeau, quoi. Parce que vraiment, il n'y a rien qui me fait penser. Mais j'ai pas connu. Le film de sa vie s'obscurcit. Revenir au début, c'est s'approcher du fantasme. Croire reconnaître Amanda là où elle n'est pas. La frôler là où elle est peut-être, sans qu'on la voie. Peggy Doslo, nom de scène d'un certain Alain Tap, rien à voir avec lui, dit-elle. Comme elle assure n'avoir rien à voir avec aucune artiste transgenre des années 60. Ces hommes revenus d'un voyage au Maroc, dans une autre peau que la leur, vierge de corps et de passé. Mais c'est elle qui a entretenu ce mythe sur son identité, avec cette chanson notamment « Fabulous Lover » dans laquelle elle écrit « Personne ne peut dire qui j'étais autrefois ». Mais est-ce une métaphore ou une réalité? De toute façon, toutes les stars hollywoodiennes ont été refaites par la chirurgie, on leur a inventé un passé pour se construire un avenir. Et puis de toute façon, les gens aiment qu'on leur raconte des histoires. C'est même la base de ce métier du show business. Au mois de juillet 2006, Amanda Lear est faite chevalier des arts et des lettres. Mais c'est sous un autre patronyme qu'elle figure sur le site officiel du ministère de la Culture. Ce jour-là, est-il précisé, Renaud Donnedieu de Vabre a décoré Madame Amanda Tap. Tous les gens qui vendent sur votre nom en préparant l'émission, parce qu'en fait, le ministre a donné votre nom de famille. Il a dit Amanda Tap. Votre nom de famille, votre vrai nom, c'est Tap. Quel ministre? Renaud Donnedieu de Vabre, vous avez même pas écouté son discours. Non, il a dit Amanda Lear. Ah non, il a dit Tap, je vous promets. On a ah pris... bon ouais. Donc, et sur le, donc sur le site de la décoration, il y a votre nom. Ah bon? Tap. T'avais pas. Votre nom, c'est Tap. T'avais pas. Qu'importent les documents officiels, l'essentiel, c'est la légende. Et la légende, c'est Amanda qui l'écrit. Pour moi, c'est une créature qui aurait été créée par un bon docteur Frankenstein, au sens où c'est une créature de Frankenstein, mais évidemment très belle. On a l'impression par moment qu'elle sort d'un laboratoire, que c'est quelqu'un qui aurait été totalement créé. Et derrière ça, vous cachez quoi? Parce qu'enfin, vous cachez quelque chose de profond, de différent, de moral, peut-être. Je n'aime pas me découvrir. Bon, c'est vrai, j'ai un masque comme tout le monde. Quand on enlève le masque et qu'on démythifie la mandalire qu'on connaît, il y a certainement en dessous un autre masque, peut-être, je pense. En tout cas, il y a autre chose qui n'a rien à voir avec le premier masque. Et cette légende qu'il y a autour de vous, lorsque les projecteurs s'éteignent, est-ce que vous arrivez à arracher ce masque? Chacun met donc ses fantasmes sur moi et à la fin, je me rends compte que ce sont des masques, tout ça. Les uns après les autres sont des masques. Franchement, en 2022, cet acharnement sur Amanda Lear, ces questions incessantes sur son identité sexuelle, etc., c'est non seulement vulgaire, mais totalement rétrograde. Tout le monde a le droit à sa part des mystères. Tout n'a pas à être public. La leçon m'a servi, l'idée m'a servi, puisque ça m'a confirmé dans l'idée que les gens ont besoin de merveilleux, d'extraordinaire, et que pour vendre Amanda Lear, on pouvait cultiver cette légende jusqu'à ce que je me brûle moi-même, disons, à mon mensonge. Parce que le jour, vous savez, c'est comme quand on crie au loup, le jour où j'ai crié, bon, arrêtez, maintenant, je plaisantais, vous voyez bien que je suis une femme, une vraie femme, j'ai envie de me marier, comme tout le monde, d'avoir des enfants. Les gens ont dit, oui, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes une femme? De son enfance, de son adolescence, il n'existe aucun témoignage, aucune image. Amanda Lear a transformé sa carrière en une aventure romanesque qu'elle a enrichie et transformée pendant plus d'un demi-siècle. Née à Saïgon, en Indochine française, en 1939, ou bien née à Hong Kong, en 1950,
fidèle malgré elle à l'Orient des colonies, mystérieux, étouffant et envoûtant, celui de Marguerite Duras et de Graham Greene. Son père serait officier de la marine anglaise ou un militaire français en poste en Cochinchine. Un jour, il aurait fait escale dans un de ces ports du bout du monde où il aurait rencontré une femme sans nom ni prénom, tantôt transylvanienne, tantôt mongole, la mère d'Amanda, dont la fille a seulement dit qu'elle s'était jurée de ne jamais lui ressembler. Tout le début a disparu. L'a-t-elle effacé pour dessiner un mythe à sa main? A-t-elle réécrit sa biographie telle qu'elle l'a rêvée? Le film se termine sur une bobine dont Amanda Lear a elle-même disparu. Une absence, des silences, le noir qui finit le récit. Ou le blanc éclatant, comme un prélude à une nouvelle histoire. En 2010, Libération m'a demandé de faire son portrait. Je l'ai appelé au téléphone, elle m'a dit « Retrouve-moi demain midi au café Le Murat, tu me paieras mon omelette. » Le lendemain, je me pointe, je lui dis « Bon, écoute, on dit ce que tu veux, mais moi, je dois faire mon travail. Alors, tu es né, je ne sais pas, en 1940, 50, à Saigon, je ne sais plus. » Donc, elle me dit « Pas de problème, on n'a qu'à dire la vérité. » Et là, elle ouvre son sac à main, elle sort une carte nationale d'identité française et elle l'abat sur la table comme un flush royal. Et je lis « Amanda Lear, née en 1950 à Saigon ou à Hong Kong d'ailleurs, je ne sais plus. » Franchement, est-ce que c'est très important ?